Hey yo tout le monde, c'est Max en production, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est sur Space Agency, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais bon, j'avais envie d'y repasser. On avait fait quelques missions, enfin on n'en avait fait qu'une, mais bon, j'ai reset le jeu. En sandbox, cette fois, on va créer une nouvelle sandbox, justement. Pour l'instant on n'a rien, on n'a que ça. C'est simple. On n'a qu'une petite station spatiale, on va essayer de l'améliorer. Ce sera le but de la vidéo. Donc, je pense que ce qu'on va faire au début, on va désactiver ça. Bon, attends, je referme ça et je vais surtout l'enlever du dock. Et on va essayer de le faire crash. Je sais, c'est un peu sadique, mais c'est comme ça. On va juste faire boum et celui qu'il faut supprimer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va rajouter peut-être. Ouais, on va rajouter. Alors, on va rajouter un Space Station Hub. Bien sûr, c'est la base pour les stations spatiales. Regardez, il y en a déjà un là. Donc, pour l'instant. Ça se tourne, c'est assez long, mais bon, ça, la ville ne peut pas se faire tout seul, hein. Enfin, je crois. Ou alors, faut qu'on m'apprenne un truc. Hop, et bien sûr, vu que je connais comment faut faire, ben je connais comment faut faire. C'est aussi simple que ça. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas bien aligné. I don't te comprendre. C'est pas normal, je crois. What? Ah, voilà. J'ai un peu pas compris. Mais bon, normalement on va réussir. Hop, on met notre Space Station Hub. Is dock. On l'alimente en énergie. On l'active au niveau de l'air. La pressurisation. On appelle ça dans l'espace. Donc, ce qu'on va rajouter. Bah, on va peut-être rajouter un module de fuel. Ouais, on va peut-être en rajouter un. Au cas où, peut-être. Ouais, on va en mettre un. Allez. Par contre, je sais pas s'il est trop gros ou pas. Mais j'ai envie d'en mettre un. Bien sûr, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir mettre un truc. C'est que on met de l'eau dedans. Et du coup, vu qu'il alimente en électricité, on peut réparer nos. Enfin, pas réparer, mais réapprovisionner la station de. Bah, depuis la station. Ouais, sauf que ça sert à rien, mais en énergie, il faut l'activer. En énergie, là, on est un peu limite. Mais c'est comme ça. On a je ne sais combien de fuel. On va faire ça au cas où. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire, c'est que je sais pas. Mais on va mettre. Je pense que ça va pour l'instant après dégager. On va mettre des grands panneaux solaires. Solar panel large. Des larges. Ça va être cool. Hop, on met des larges. Et voilà. Mais bon, là c'est plus posé parce que déjà, on n'a pas l'émission. Il y a plus de contenu. Et je suis en train de partir en cacahuète. Voilà. Quand ça part en cacahuète, c'est cool pour vous, mais pas pour moi.
parce que je stresse sans stresser, mais je stresse. Enfin voilà. Voilà. Bien sûr, là, je vais essayer de m'appliquer pour le montage. Parce que maintenant, je sais bien utiliser mon logiciel. Parce qu'avant, je ne savais pas l'utiliser. Voilà, parce que je suis un ego. Ça se branche, on l'active. Il est très large, par contre. Lui, on va le... Là, ça a failli tout péter. Une fuite. Il y a une fuite. Ouais, je me disais bien qu'il y avait une fuite. Ouais, ça va. Ça n'a pas tout cassé, mais on a eu une fuite. Donc, pour éviter qu'on ait une autre fuite. Allez hop, on va supprimer ce panneau solaire. On va. Non, j'ai pas dit que j'en voulais en remettre un. Je veux en mettre un autre. Ensuite. Allez hop. Bien sûr, je suis assez fort maintenant à ce jeu. Parce que je joue sans que vous voyez en hors caméra. Mais vu que j'ai reset il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était bien que je refasse une vidéo dessus. Et après tout, c'est moi qui fais des vidéos, c'est pas vous. Donc, j'ai le droit de faire des vidéos si j'en ai envie, bien sûr. Donc, on y va. Et bien sûr, si vous avez des idées qu'on pourrait faire sur la série, ce serait bien que vous me dites. Genre mettre, par exemple, essayer de... Genre un objectif qu'on pourrait faire sur la série, genre qu'on puisse... Bah c'est super, j'ai oublié. Bah genre mettre un Moonlander sur la Lune, tout simplement. Tout simplement, bah... Enfin vous m'avez compris, voilà. Mettre un truc qui va sur la Lune. On s'est pas compréhensible, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Bah, pour l'instant, on a déjà un bon stock d'énergie. Hein. Ouais, faudrait peut-être qu'on stocke des batteries, genre. Mais bon. On est quand même à 8 minutes de vidéo. Pour un petit jeu, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Sérieusement. Je vais voir qu'est-ce que je peux mettre. Un radiateur, je pourrais mettre, mais bon. Bof. Là, on a quand même un airlock. Plutôt. Enfin, voilà. On a le Isaac module. Je connais pas vraiment. Transpondeur, ouais, bon, ça c'est pour donner le plus long nom. On a le Medical Bay. Je vais sûrement mettre. Que je vais mettre justement. Ça va être la dernière partie que je vais mettre sur la station spatiale. Et déjà là, ça va être un tout petit peu plus long parce que faut que je contourne les panneaux solaires. Parce que si je les désactive, je vais être un peu dans le pétrin. Parce qu'après j'aurai plus d'énergie pour les réactiver. C'est ça la vie spatiale. Et bah oui. Et bah oui. Bah sinon, en vrai, je vais peut-être vous faire une vidéo spéciale pour ça. Mais je compte créer un jeu en collaboration avec une équipe que je suis dedans parce que je les ai contactés. Et du coup, il m'avait dit qu'il voudrait bien qu'il crée un jeu, bien sûr, si vous voulez suivre le développement du jeu que je vais créer.
avec cette équipe, bah vous pouvez genre me donner des idées. Mais déjà, moi j'ai déjà une bonne idée, ce serait genre un jeu de parcours sur PC. Désolé pour les joueurs à Android, je ferais peut-être une version, mais bon, moins poussée. Mais ça va me demander beaucoup de temps parce que moi je ne connais pas vraiment l'univers du développement de jeux vidéo. Je connais l'univers de développement web, ça y a pas de souci. D'ailleurs, vous pouvez aller visiter mon site. Le lien sera dans la description. De toute façon, il y est toujours. Bien sûr, il y a quelqu'un qui m'a dit que le Discord, ben, en vrai, n'était plus accessible. Je vais remédier à ça. Mais enfin voilà. Mais là, vu que la vidéo dure 10 minutes, enfin 11 minutes maintenant, moi, je vous dis bye.